pas ça bizarre qu'il nous confie cette mission? Marlène voulait le faire elle-même. Ce n'était pas son premier choix. Ni même le deuxième. Elle a perdu beaucoup d'hommes. Elle a pris ce qu'il restait. Ouais, espérons qu'il reste quelqu'un pour nous payer. Il y aura forcément quelqu'un. Au point de rendez-vous. Elle a dit que des lucioles avaient fait le voyage depuis une autre ville. La fille doit être importante. C'est quoi ton problème? La fille d'une huile ou un truc dans le genre? Ouais, un truc comme ça. Ça va être encore long. Si tout se passe bien, on devrait te livrer à eux d'ici quelque temps. Ellie, une fois sortie, tu feras tout ce qu'on te dit. Et tu resteras près de nous. Ouais. Ok. C'est bon, montez. Allez, petite. Fais attention. Cette pluie ne va pas nous aider. J'y crois pas. Je suis vraiment dehors. Par là-haut. N'essayez pas de vous enfuir. Avancez. Tournez-vous, à genoux. Calmez, j'appelle le QG. Ok. Les mains sur la tête. Ici Ramirez, dans le secteur 12. Demande un ramassage pour 3 vagabonds. Bien reçu. On peut s'arranger. On a largement de quoi vous payer. La ferme. Dans combien de temps? Quelques minutes. Désolée! Je pensais qu'on allait juste les retarder ou un truc du genre. Merde. Regarde. C'est pas vrai. Marlène nous a piégés. Pourquoi est-ce qu'on fait sortir une gamine infectée? Je suis pas infectée. Ah non? Et le scanner alors? Je peux vous expliquer. T'as intérêt à faire vite. Regardez! Je me fous de savoir comment t'as été infectée. Ça date d'il y a 3 semaines. Non, tout le monde se transforme en 2 jours, alors arrête de mentir. Ça fait 3 semaines, je vous jure. Pourquoi est-ce qu'elle vous tendrait un piège? Je la crois pas. Merde. Tess, cours. Cours! Debout. Allez, cours! Suivez-moi, vite. Ok, je te donne le signal. Vas-y, cours.
celui. Fais chier, ils sont partout. Ouais, ça doit être ça. T'éloigne pas. Au moins, on n'est pas sous la pluie. Ça donne quoi ? Je crois qu'on peut passer par là. Escouade Charlie au rapport. Merde, merde ! Encore des soldats. Cible tous dans mon fils, Ted. Arrêtez les recherches et présentez-vous au secteur 11. Je crois pas qu'il nous ait vus. Merci. Tout à vos véhicules. Restez dans l'ombre.
On est en sécurité? Non. Ils sont encore dans le coin. Reprends ton souffle quelques secondes. Joël, regarde s'il y a des trucs utiles ici. Compris, chef. Tess, en haut, dans ce conduit. On doit pouvoir passer par là. Éloigne de ta île. Ok. Oh, 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 attendez, attendez. Regroupez-vous, il me rappelle. On tourne tout en haut. Vous avez entendu, on se bouge. Allez. Ils sont partis. Bon. C'était quoi le plan? Imaginons qu'on t'ait livré aux Lucioles comme prévu. Et après? Marlène, elle a dit que... qu'ils avaient leur propre zone de quarantaine. Avec des docteurs qui travaillent sur un remède. Ouais, on a déjà entendu ça, hein, Tess. Et que... quoi qu'il me soit arrivé, c'est... la clé pour trouver un vaccin. Oh, je rêve. C'est ce qu'elle a dit. Oh, mais j'en doute pas. Hé, hey, je t'emmerde. J'ai jamais demandé ça. Moi non plus. Tess, tu peux me dire ce qu'on fout ici. Et si c'était vrai? J'arrive pas. Mais pense-y. Joël, enfin, maintenant qu'on est là, autant en finir. Tu veux que je te rappelle ce qu'il y a dehors? J'ai compris. Par ici.